Vendredi 26 novembre 2021, TF1 a diffusé la grande finale de Danse avec les stars marquée par la victoire de Taïk. De nombreux candidats de la saison étaient présents pour cette grande dernière dont Weshden. Une surprise lorsque l'on connaît les dessous tonitruants de son aventure, et voilà, Danse avec les stars, c'est à nouveau fini. La grande finale de la 11e saison s'est déroulée en direct sur TF1 le vendredi 26 novembre 2021. La soirée s'est découpée en deux temps. D'abord avec l'élimination d'un premier finaliste, Michou, qui se doutait qu'il ne ferait pas le poids face à Taïk et Bilal Hassani. Le youtubeur de 20 ans peut malgré tout se féliciter d'avoir livré sa meilleure performance avec sa partenaire Elsa Bois. Les jurés ont salué leur ultime prestation, mettant en avant les incroyables progrès de Michou, Miguel Mattioli de son vrai nom, tout au long de l'aventure. La grande finale s'est finalement conclue avec un face-à-face entre Taïk et Bilal Hassani et c'est finalement le premier qui s'est assez largement imposé, recueillant 56% des votes du public contre 44% pour Bilal Hassani. À l'annonce du verdict, le chanteur urbain de 25 ans n'a pu cacher son émotion, rejoint par tous ses proches. Cette dernière soirée de Danse avec les stars saison 11 a également été marquée par la présence des autres candidats, tous ceux qui avaient été éliminés au fil des 11 semaines d'aventure. Et, surprise, Weshden était de la partie, accompagné de son danseur, Samuel Texier. On aurait pu croire que la jeune chanteuse de 17 ans ne serait pas là vu les dessous fracassants de son aventure, mais si. L'artiste a su faire bonne figure pour preuve que Weshden fait toujours partie de la grande famille Danse avec les stars, elle apparaît sur la photo de groupe postée par Camille Combal sur sa page Instagram, peu de temps avant le début du prime. Photo de classe 2021, a commenté l'animateur en légende. Weshden apparaît au premier plan, avec un énorme sourire. Point pour rappel, celle à qui l'on doit notamment le tube Anissa a vécu un gros clash avec son danseur lors de son aventure. Depuis qu'elle a été éliminée et que les dessous tonitruants de sa participation ont été dévoilés, elle a pris de la distance en décidant de quitter les réseaux sociaux. Elle était réapparue cette semaine sur le compte Instagram de Nabila, au cours d'une soirée ensemble à Paris. Si Weshden était bien présente pour la finale de la saison 11 de Danse avec les stars, d'autres candidats ne l'étaient pas là à m'était absente, mais quoi de plus normal puisque la chanteuse a récemment perdu son mari Robert Subert. Dita Von Teese n'a également pas participé à la grande finale, tout comme Lucie Lucas. Malgré cette belle soirée de show, TF1 n'a pas réussi à se classer en tête des audiences. La finale de Danse avec les stars a été devancée par Capitaine Marlowe sur France 3. TF1 a malgré tout attiré 4,23 millions de téléspectateurs, soit 21,2% du public.